Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le Calyx YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Clash Royale, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour ouvrir les coffres de ligue sur mon compte principal et sur le compte secondaire. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas beaucoup monté, j'ai pas beaucoup joué à Clash Royale ces derniers temps. J'étais un peu en vacances, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de live également récemment. Vous avez dû vous en apercevoir. Donc je m'excuse pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. J'ai fait ma rentrée également aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Et sans plus attendre, on va commencer par ouvrir ce coffre de ligue. C'est parti. On espère aller chercher une légendaire. Allez, 3909 d'or. Alors là, on va prendre les barbares parce que mon mortier est complet. Mon mortier est au complet, donc on prend les barbares. Ensuite, on va prendre le bombardier. Et attention, là, il faut qu'on ait toutes les rares si on veut avoir une légendaire. On a toutes les rares, donc ça fait plaisir. On va prendre le méga gargouille, je pense. Et attention, il faut qu'on ait toutes les épiques. Et oui, la légendaire qui tombe. Alors, 20 chasseurs ou 20 archers, c'est pas les meilleures cartes, mais je vais prendre le chasseur. Et enfin, légendaire, j'aimerais bien avoir au moins un mineur ou une princesse. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. Et c'est... Aïe, 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 c'est pas les légendaires que je voulais. Donc on a Zappy ou Fantôme Royal. Le Zappy, je peux déjà le passer niveau 3, donc je vais clairement prendre le Fantôme Royal, qui passe à 2 sur 4 si j'améliore. Donc voilà le résultat de la saison, j'étais à 4618. Donc je passe à 4309 trophées, donc j'aurai au moins ce coffre de ligue là, tout simplement. Donc on va aller ouvrir le petit coffre en argent, voilà, on sait jamais. Le coffre gratuit, non, rien dedans. Rien dedans non plus, on va regarder un peu ce qui se passe ici. Ok, on va faire la demande de cartes. Voilà. On va regarder ce qui se passe dans le shop également. Ok, donc c'est une offre payante, donc je vais pas la prendre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté la princesse ce matin. Donc voilà où en est mon deck. Toutes les cartes sont maxées, sauf les légendaires, bien évidemment. Les légendaires qui sont pas trop mal, par contre. Là, on peut le voir, je suis à 8 sur 10 sur le mineur et 6 sur 10 sur la princesse. Alors par contre, là, je viens de remarquer quelque chose. C'est qu'avec la mise à jour qui vient d'avoir lieu, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que là, les rares... Au maximum, là je suis à 9 sur 50 par exemple. Alors qu'avant le maximum c'était 10. Pareil pour les communes. Avant le maximum c'était 100. Maintenant c'est 250 une fois que c'est maxé. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant à voir. Je vais voir s'ils ont annoncé non toujours pas le gobelin géant. J'avais vu qu'il y avait le gobelin géant qui allait sortir mais bon. Là je le vois pas. Donc du coup les gars je vais mettre pause et on va se retrouver sur le deuxième compte. A tout de suite. Et donc, re tout le monde. Nous voilà sur le deuxième compte. Le petit compte. LucasXY, donc j'ai fini à 4206 au meilleur de la saison. Donc on va aller chercher la légendaire, même si ça va être plus compliqué parce qu'il faut qu'on ait toutes les communes, puis toutes les rares, puis toutes les épiques d'un seul coup pour avoir la légendaire. Donc ça va être un peu plus dur. Alors 2024 d'or. On a 39 fripons ou 39 flèches, je vais prendre les fripons, clairement. Je crois qu'on n'a pas toutes les rares, donc je vais prendre le bélier, j'en ai moins. Ouais, on n'avait pas toutes les rares, donc pas de légendaire malheureusement. On va récupérer de la roquette et enfin. On va prendre du gel puisque j'en ai moins. Donc là, c'était pas un coffre de folie quand même. Hein. C'était pas un très très bon coffre, malheureusement. Malheureusement, ça n'a pas été un bon coffre. Hop. On va aller faire les dons. Je suis pas très actif sur ce compte-là, donc je suis désolé pour les gens qui sont dans ce clan-là. Mais déjà que j'étais plus très actif sur mon petit, sur mon compte principal, bah voilà, je suis pas très actif non plus sur ce compte-là du coup. Alors là, on a plein d'offres. On a l'offre... du coffre de tirage, on a l'offre coffre légendaire, mais bon, on va pas payer, hein. Clairement. On va récupérer les 10 gems, ça peut toujours servir. On va ouvrir le petit coffre en argent, rien d'intéressant. On va regarder ce qui s'est passé, ok. Et ici, alors qu'est-ce qu'on a? Lancer des sorts, donc ça on peut la remplacer. Quel combo, donc ça on la changera demain, si j'y rejoue. Et attention, le coffre gratuit pour finir, 3 cartes, 104 d'or. Ah, ce sera des gemmes. 2 gemmes, 12 fripons et 2 roquettes. Très bien. Très 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 bien. Donc également les gars, je tiens à vous remercier lors de cette vidéo. Tout simplement parce que vous allez le voir, on est vraiment monté à un haut nombre d'abonnés. On s'y attendait vraiment pas. Voilà, donc vous allez voir le nombre en haut à droite qui va s'afficher. Le voilà, 1769 abonnés. Donc merci beaucoup à vous les gars, ça fait vachement plaisir. Surtout que on n'a pas été actifs pendant toutes les vacances. J'ai pas pu faire des lives tout le temps. Il n'y a pas eu de vidéos qui sont sorties ou des trucs comme ça. Ça va être un peu compliqué également actuellement de vous faire plus de vidéos ou de lives étant donné que maintenant je suis en études supérieures, Lucas également, il a trouvé un travail donc ça va être un peu plus compliqué maintenant pour nous de faire des lives ou des vidéos. On va quand même essayer,
On va voir si on trouve du temps parce que moi je suis dans une école qui s'appelle le DCG, donc c'est Diplôme Comptabilité et Gestion. Et du coup, bah ça prend du temps parce que c'est une sorte de prépa et ça va demander pas mal de travail. Donc je vais quand même essayer de pouvoir continuer à faire quelques vidéos, quelques lives de temps à autre sur Clash Royale parce que je sais que ça vous plaît, moi ça me plaît toujours. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne auprès de vos amis. Et on se dit à très bientôt pour le prochain live ou la prochaine vidéo. Salut, salut!